Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble, si vous le voulez bien, cette petite robe. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une petite robe pour bébé, je pense de 6 mois à 12 mois. Donc, c'est une robe qui est assez facile à réaliser, vous allez voir. Donc, il y a plusieurs techniques, je vais vous montrer comment faire des plis ici, comment nous allons faire ici les emmanchures. Nous avons un petit point en bas de la robe, c'est un point de vague, donc un petit peu différente. Nous avons des boutons sur les côtés. C'est une robe qui se tricote en un seul morceau. Donc, il n'y a absolument pas de couture à faire, sauf pour coudre nos boutons. Donc, pas de couture à faire. On commence par le bas, on termine par le haut. Donc, pas de couture à faire. C'est une robe qui est très facile, qui se tricote au point jersey en droit. En côte 1-1 pour les manches. Nous avons un petit col roulé qui est très simple à faire. Nous allons relever des mailles au niveau du col pour faire ce petit arrondi. Donc, pour réaliser cette robe, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons aussi au niveau de l'épaule des petits boutons. 5, 6, 7, 8, 9, 10 boutons. Il nous faut 10 boutons. Si vous désirez ici, vous pouvez mettre des petits nœuds ou des petites fleurs si vous ne voulez pas mettre de boutons. Donc, c'est une robe qui se tricote en deux couleurs. Moi, j'ai mis deux couleurs, le blanc et le rose. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Si vous désirez, vous pouvez le faire dans une couleur unie aussi ou utiliser des laines dégradées. Ça, c'est selon vos goûts. Donc, c'est un modèle encore de Madame Ushild Balaban de Ödgütasalım. Voilà. Donc, si vous voulez le réaliser avec moi, vous avez besoin de 100 g de laine de la couleur que vous aurez choisie, la couleur principale, et un petit peu de reste de laine pour la couleur blanche. Donc 10 boutons. Il nous faut des aiguilles numéro 3 et demi et des aiguilles numéro 3 pour tricoter le col. Il vous faut alors 2 ou voire 3 arêtes mailles si vous en avez. Si vous en avez pas, je vous explique dans la vidéo comment le faire. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Donc, je vous explique comment vous allez le faire. Donc, je vais ouvrir la robe pour vous montrer le rendu ouvert. Vous voyez, vous pouvez vraiment habiller votre petite fille facilement. Il vous suffit juste de mettre votre robe comme ceci, de passer une manche et hop, de venir mettre sur le devant et d'attacher sur les côtés. Donc voilà, nous commençons par le bas et on termine par le haut. C'est une robe qui est assez jolie, assez simple. Donc, nous allons passer à la réalisation si vous le voulez bien. Je pense que j'ai tout dit. Donc, il vous faut des aiguilles 3,5 et numéro 3, des arêtes mailles, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et puis voilà, nous pouvons passer à la réalisation. Donc, je vous ai dit 100 g de laine pour la couleur principale et un petit peu de reste de laine pour la couleur blanche pour faire le bas et le haut de notre robe. Nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre robe, donc moi j'ai choisi le blanc pour faire le bas de ma robe ainsi que le col. Donc je vais le faire en blanc et le reste, donc comme vous avez pu le voir, en rose. Donc vous allez monter dans un premier temps 182 mailles. Donc 182 mailles, une fois que vous les avez montées au deuxième rang, vous allez les tricoter à l'envers. C'est-à-dire le fil face à vous et vous allez le tricoter à l'envers. Une fois que vous avez tricoté vos 182 mailles à l'envers, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer notre point. Alors, il y en a qui appellent ça le point vague, de vague, le point. Donc, le point de vague.
un peu différent cette fois-ci. Donc, première maille, je la prends à l'envers, je la tricote. Je passe mon fil derrière. Et maintenant, je vais faire, regardez, je prends ma première maille, je la tricote une fois, je la laisse sur l'aiguille de gauche, je ne la retire pas et je vais venir tricoter la maille qui est derrière. Donc, je fais une augmentation. La deuxième maille, je vais faire pareil. Donc, la maille qui suit, une fois le brin avant, une fois le brin arrière. La maille qui suit, donc la troisième, sans compter la maille lisière, donc la troisième, je la tricote une fois. Et regardez, je tricote une fois le brin arrière. Donc, j'ai fait cette opération trois fois. Une fois que j'ai fait cette opération trois fois, je vais faire, regardez, six fois deux mailles ensemble. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Donc, nous avons fait 6 fois 2 mailles ensemble et maintenant, nous allons recommencer ce que nous avions fait ici, donc nos augmentations, mais cette fois-ci, nous allons le faire 6 fois. Donc, après, comme nous avons diminué ici, une maille à chaque fois, donc maintenant, nous allons les remplacer en tricotant, donc une fois une maille avec le brin avant, une fois le brin arrière. Et je vais faire cette opération 6 fois. Donc on la fait ensemble une fois, regardez, je la tricote normalement, je ne l'enlève pas de mon aiguille et je vais tricoter la maille qui est derrière, ça me fait 2. La troisième, regardez, là, troisième, quatrième, cinquième, que nous tricotons toujours deux fois, et la sixième, regardez, et à l'arrière, six fois. Maintenant, nous allons faire nos diminutions, c'est-à-dire six fois deux mailles ensemble, une, deux, trois, 4, 5 et 6. Donc, 6 fois 2 mailles ensemble. Et maintenant, nous allons tricoter nos augmentations en tricotant 2 fois la maille. Regardez, ma deuxième maille, une fois à l'avant, une fois à l'arrière, sans retirer ma maille de l'aiguille. Je la retire une fois que je l'ai tricotée une deuxième fois. Première fois et deuxième fois. Donc ça me fait 3. Regardez. Je la tricote, je la laisse sur l'aiguille et je la repique encore une fois par derrière et je la tricote. Ça me fait 4. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles de par 2, 6 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous allez continuer ainsi les tricopines. Vous allez faire 6 fois 2 mailles ensemble, 6 fois. Regardez, chaque maille tricotée deux fois. Une, deux, trois, quatre, cinq
et 6. Donc, vous vous souvenez, souvent, quand on fait le point de vague, on ne fait pas cette augmentation, cette augmentation-là. On tricote une maille, on fait un jeté, on tricote une maille, on fait un jeté 6 fois. Maintenant, comme nous ne voulons pas avoir le point à jouer, nous faisons une augmentation comme ça, de cette façon-là. Donc, 1, 2. Alors, si j'ai bien, il faut bien compter et ne pas se tromper. Donc, là, mes mailles 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'en ai fait une supplémentaire. Voilà. Donc, vous comptez bien 6 fois 2 mailles ensemble. Et pour vos augmentations, vous tricotez 6 mailles 2 fois. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, et on va se retrouver à la fin du rang pour que je vais vous expliquer comment vous allez terminer votre rang. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles. Donc les tricopines, je vais terminer avec vous. Donc vous vous souvenez, nous avions fait un jeté, une maille, nous avions tricoté 6 fois chaque maille 2 fois, et nous sommes donc à notre rang de diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc j'ai fait 6 fois 2 mailles ensemble, et maintenant on va continuer ensemble, comme ça, ça va être très clair. Donc, deuxième maille que je tricote 2 fois, troisième maille, quatrième maille, cinquième maille, regardez là, je ne la retire pas de l'aiguille, vous voyez, je la tricote une fois, et je vais chercher le brin arrière. 6 fois. Donc, nous faisons cette opération 6 fois. Et maintenant, nous allons faire 2 par 2, 6 fois. 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4. Alors, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est pas évident de parler et de compter en même temps, parce que c'est important de compter à chaque fois. Et maintenant, je vais faire mes augmentations. Donc, j'ai fait mes diminutions et là, mes augmentations en tricotant une maille 2 fois. Une. Je vais aller lentement pour que vous puissiez voir. 2. 3. 4, 5 et 6. Donc, nous allons tricoter 6 mailles 2 fois. Et maintenant, nous passons en diminution. 1, 6 fois 2 mailles ensemble. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et maintenant, une maille. Une fois tricoter une fois le brin avant, une fois le brin arrière. Une fois le brin avant, regardez. Et je vais aller chercher le brin qui est juste derrière et je la tricote aussi. 2. 3, 4, 5 et 6. On peut vérifier si on ne s'est pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, regardez, tout de suite après, 2 mailles ensemble 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, une maille tricotée 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4,
5 et 6, il me semble. Donc, n'hésitons pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons tricoter maintenant 6 mailles 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6. Et maintenant, 2 par 2 nos mailles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles 2 par 2. Donc, 6 mailles, nous allons les tricoter 2 par 2. 1, 2 par, pas 2 par 2, 1 maille 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nous avons tricoté 6 fois, donc 6 mailles, 2 fois chaque maille. Donc, et maintenant, on passe à... Normalement, donc une fois que nous avons fait ceci, on doit terminer avec 3 mailles. Alors nous avons tricoté, et que je reprenne 2 fois chaque maille. Là, nous avons fait nos diminutions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 mailles. 6 fois chaque maille 2 fois. Je vais tricoter 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 3 dernières mailles, je les tricote 2 fois. Regarde, chaque maille 2 fois comme nous avions fait au début de notre rang. Et on termine notre premier rang. Donc je récapitule pour être clair. Tout au début, nous avons tricoté notre maille lisière. Une maille que j'ai tricotée 2 fois, une deuxième maille que j'ai tricotée 2 fois et une troisième maille que j'ai tricotée 2 fois. Après, nous avons fait 6 fois 2 mailles ensemble, 6 mailles tricotées 2 fois, 6 fois 2 mailles ensemble, 6 mailles tricotées 2 fois et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on termine, donc je vous avais dit avec 7 mailles. Et c'est 7 mailles, non, on termine par 4 mailles, excusez-moi, donc on termine avec 4 mailles, et les 4 mailles, je tricote une maille 2 fois, la deuxième maille 2 fois, la troisième maille 2 fois, et je tricote ma maille lisière, et nous avons terminé pour notre troisième rang. Donc vous terminez votre troisième rang de cette façon-là, et on va se retrouver pour le quatrième rang. Donc au quatrième rang, une fois que nous avons fait notre troisième rang, nous avons fait des augmentations, des diminutions, mais ça ne change absolument rien au nombre de mailles que nous avons. Nous avons toujours 182 mailles. Faites bien attention d'avoir toujours ces 182 mailles.
Et maintenant, nous sommes sur le quatrième rang et notre quatrième rang, nous allons le tricoter tout à l'endroit. Donc, ma maille lisière et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Ainsi, regardez, toutes mes mailles, ainsi que les mailles que j'ai augmentées, vous voyez, je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc, terminez votre quatrième rang, comme ceci. Et on va se retrouver pour notre cinquième rang. Donc, quatrième rang, tout à l'endroit. Alors, sur notre cinquième rang, regardez, on a nos vagues qui commencent à se former. Vous voyez, ça commence à se former. Nous sommes sur notre cinquième rang et maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est assez long vu que nous avons un nombre important de mailles et vous tricotez toutes vos mailles comme ceci à l'envers. Donc vous terminez votre cinquième rang tricotant vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur notre sixième rang. Donc regardez, par la même occasion, notre point commence à se montrer. Voilà, continuez à tricoter le cinquième rang à l'envers. Alors, le cinquième rang, nous avions tricoté à l'envers et maintenant nous sommes sur notre sixième rang et le sixième rang, nous allons le tricoter à l'envers aussi. Donc, sixième rang, nous le tricotons à l'envers aussi. Donc, vous allez jusqu'à la fin de votre rang en tricotant vos mailles comme ceci à l'envers. On reprend au rang numéro 7. Donc j'ai mis une nappe un peu plus foncée parce que du blanc avec une couleur claire, je crois que ça rend pas très bien. Donc voilà les tricopines, nous sommes au septième rang et nous allons faire donc notre maille lisière et on va continuer en reprend notre point ici, vous vous souvenez. Alors je tricote ma maille deux fois. Je tricote ma deuxième maille, regardez, une fois comme ceci. Je ne l'enlève pas de mon aiguille et je vais chercher le brin qui est juste derrière. Je tricote et j'enlève et je tricote ma troisième maille deux fois. Voilà. Après, je vais faire six fois deux mailles ensemble. Une. Alors, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc, 5 et 6. Donc 6 mailles. J'ai fait 2 fois 2 mailles ensemble 6 fois et maintenant je vais tricoter 6 mailles 2 fois. Donc ma première maille, je la tricote 2 fois. Ma deuxième maille, regardez, je la tricote 2 fois. Ma troisième maille, je la tricote deux fois, trois, quatrième, cinquième et sixième. Et maintenant, je fais six fois deux mailles, une, deux,
3, 4, 5 et 6. Donc, vous allez continuer ainsi les tricopines et on va se retrouver quand il va nous rester 4 mailles à la fin de notre rang. Donc, vous continuez ainsi. Nous avons fait 6 fois 2 mailles ensemble et les 6 mailles suivantes, vous allez les tricoter 2 fois chaque maille. Donc, comme je vous l'ai montré, une fois le brin avant et une fois le brin arrière. Donc, vous allez tricoter 6 mailles 2 fois. 6 fois 2 mailles ensemble et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Et dès qu'il nous reste 4 mailles, nous allons le faire ensemble. Il me reste, regardez, 4 mailles après avoir fait 6 fois 2 mailles ensemble et je vais tricoter mes 3 mailles, regardez, 2 fois. Donc 1, 2 et 3 et je voilà, et je termine par ma maille lisière. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre 7e rang et maintenant pour le 8e rang nous allons tricoter tout à l'endroit. Donc nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, le 8e rang, vous allez le tricoter tout à l'endroit. Le 9e rang, vous allez le tricoter tout à l'envers. Le 10e rang, vous allez le tricoter de nouveau à l'envers. Et on va se retrouver pour la suite. Donc là, nous sommes sur le 8e rang. Vous allez tricoter tout à l'endroit. 9e rang, tout à l'envers. 10e rang, tout à l'envers. Et on va se retrouver pour le 11e rang. On se retrouve donc au 11e rang. Et 11e rang, nous allons changer de couleur. Donc moi, j'ai choisi le rose. Vous pouvez très bien continuer à le faire en blanc. Moi, j'utilise un rose clair. Je ne sais pas si ça se voit. Bon. Alors, dès que nous passons, regardez, à notre laine rose. Donc, c'est comme si c'est un rose pâle. On ne voit pas bien. Regardez. Tout de suite, je prends 2 mailles ensemble. Je passe à ma laine. Donc, je change de couleur et je fais 2 mailles ensemble. Je tricote une. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous voyez, je fais des diminutions. Donc, j'ai pris 2 mailles ensemble, 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais faire une fois 2 mailles ensemble et une deuxième fois 2 mailles ensemble. Maintenant, je vais tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai tricoté 14 mailles et je vais faire 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Je tricote 14 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles à l'endroit. Et 2 fois 2 mailles ensemble, donc une fois 2 mailles ensemble et une deuxième fois 2 mailles ensemble. Et je continue à tricoter 14 mailles, 2, 3, 4, 5, 6,
Alors, attendez, je ne fasse pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, on peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, comptez bien vos mailles, ne faites pas d'erreur, parce que comme je parle en même temps que je fais, donc, il se peut que je me trompe. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. Et je continue. 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et les deux suivantes ensemble. Donc on termine notre rang ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je vérifie. J'ai pas envie de faire des bêtises. 2 mailles ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 14 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 2 mailles, regardez, comme ceci, ensemble. Et je tricote 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 2 mailles, regardez, les 2 mailles ensemble et les 2 mailles suivantes ensemble. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble et je tricote 14 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et je termine. 1, 2, 3, 3, alors je vérifie parce que je fais glisser des mailles, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5. 14 mailles ensemble, donc 14 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble. Et je vais terminer par 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Voilà les tricopines, nous avons... Oh, j'ai une maille que j'ai oubliée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, nous devons obtenir sur nos aiguilles, on doit se retrouver avec 160 mailles. Voilà. Donc, le 11e rang est terminé. Au 12e rang, nous allons commencer. Donc, nous sommes sur l'envers et nous allons déjà commencer à former... Alors, que je ne dise pas de bêtises, nous allons commencer à former nos mailles de bordure. Et pour cela, regardez,
une maille. Je vais tricoter une maille à l'envers, donc ma maille lisière à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille à l'endroit et je termine avec une maille à l'endroit. Donc ça va être mes 7 mailles de bordure. Ici vous pouvez placer un nano marqueur, moi j'en ai pas mais je vais placer après, j'ai pas pris là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 8 mailles. Maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. Et ces 8 mailles nous allons les tricoter aussi en côte 1, 1. Donc on tricote à l'envers toutes nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles et après on va le faire ensemble. Je suis arrivée au bout et il me reste 8 mailles. Et ces 8 mailles, nous allons tricoter une maille à l'endroit. Donc ça c'est très important. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on tricote ces 8 mailles comme ça. Une maille à l'envers, et je termine par une maille à l'envers. Alors ça, c'était le 12e rang. Au 13e rang, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, sauf nos 8 mailles de bordure. On va les tricoter comme elles se présentent, c'est-à-dire la maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, la maille à l'envers, je la tricote à l'envers, la maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, la maille à l'envers, je la tricote à l'envers, la maille à l'endroit, regardez, je la tricote à l'endroit, la maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, vous pouvez placer un nano marqueur. Donc moi, je vais le faire. Et maintenant, vous allez tricoter, regardez, toutes vos mailles à l'endroit. Donc ceci, c'est notre 13e rang. 13e rang. 14. Maintenant, nous allons passer donc en jersey endroit. Et on va tricoter toutes nos mailles en jersey endroit, sauf nos mailles de bordure. On les tricote en côte 1, 1. Donc comme elles viennent. Donc, le 13e rang, je vous ai dit, tout à l'endroit sauf nos mailles de bordure. Le 14e rang, tout à l'envers sauf les 8 mailles de bordure de chaque côté. On les tricote aux côtes 1, 1. Au 15e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles donc à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit. Et les mailles de bordure, excusez-moi, en côte de 2. Et on va se retrouver au 16e rang. Et au 16e rang, nous allons faire une boutonnière. Donc, on va se retrouver au 16e rang. Donc, maintenant, vous tricotez. 13e rang, donc je vous ai dit, c'est l'endroit du travail. À l'endroit. 14e rang à l'envers. 15e rang à l'endroit. Et au 16e rang, nous allons nous retrouver pour faire notre boutonnière. Donc vous tricotez vos mailles et n'oubliez pas vos 8 mailles de bordure en côte 1 1. Donc nous sommes à notre 16e rang et nous sommes sur l'envers. Donc j'ai ma maille lisière qui est à l'envers. Si vous voulez, vous la tricotez. Si vous ne voulez pas, vous ne la tricotez pas. Je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, regardez, je vais faire un jeté, ma maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un jeté comme ceci par l'envers, regardez, je le passe, mon fil est face à moi, je le passe derrière, hop, donc j'ai tricoté donc ma maille à l'envers. Je fais un tour comme ceci par derrière. Je prends deux mailles ensemble à l'envers. Et
je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Et là, regardez, j'ai placé mes anneaux marqueurs et maintenant vous allez tricoter. Je ne compte plus mes rangs, ça sert à rien. Maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 8 mailles de bordure. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure comme elles se présentent. Toutes vos mailles, regardez, à l'endroit. Et ici, quand vous arrivez ici, vous suivez. Regardez. Quand vous avez tricoté toutes vos mailles à l'envers et que vous êtes arrivé au niveau de notre bordure, nous avions fait la boutonnière, donc là vous avez une maille à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc la jetée, le jeté que nous avons fait, ça va être à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et vous terminez par une maille à l'endroit. Donc vous suivez vos côtes 1-1 et vous allez tricoter pendant, après avoir fait notre boutonnière, vous allez tricoter pendant 5 cm. Regardez, vous allez placer votre mètre comme ceci. Et quand vous allez arriver à 5 cm, j'espère que je n'ai pas dit 5 mètres. Quand vous allez arriver à 5 cm, là, vous allez refaire une boutonnière exactement comme nous avions fait ici. Et vous allez tricoter en tout pendant 20 cm, ce qui représente à peu près ceci. Donc, à partir de là, regardez, ça correspond à peu près, quand on prend d'ici, la partie la plus haute, ça correspond, regardez, à 5 cm. Donc à 5 cm, nous avions fait une boutonnière. À 5 cm, à partir de notre boutonnière, nous allons faire encore une. Donc je vais vous dire, donc 1, 2, 3, nous allons avoir 4 boutonnières. Donc, nous allons tricoter pendant 20 cm, nous allons avoir 4 boutonnières et on va se retrouver après pour faire la suite. Donc les tricopines, comme je vous avais dit, 20 cm, vous tricotez vos mailles de bordure en côte 1-1 et tout le reste en jersey endroit, c'est-à-dire à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit, et on se retrouve au bout de nos 20 cm. Les tricopines, je vous avais dit de tricoter pendant à peu près 20 cm à partir du début, donc à partir d'ici. Mais tout compte fait, moi j'ai décidé de faire 20 cm à partir de la partie rose. Mais ça ne change absolument rien parce que si vous désirez le faire pour une fille un peu plus petite, donc ça va pas changer grand chose. Vous allez juste avoir 5 cm de moins, donc votre robe sera un tout petit peu plus courte. Si vous voulez le faire comme moi, un peu plus long, donc là c'est vraiment pour une petite fille de 1 an jusqu'à 2 ans je crois, donc vous pouvez continuer à tricoter encore 5 cm de façon à obtenir ici 20 cm pour la partie rose, donc rose pour moi et pour la couleur que vous aurez choisi. Alors les tricopines, maintenant nous allons passer aux plis, donc nous allons faire des plis comme ceci, regardez. Donc, je vais vous montrer comment nous allons le faire ensemble. Alors, nous allons tricoter nos mailles. Oups, je perds mes aiguilles. Donc, nous allons tricoter nos mailles de bordure. Donc, nos 8 mailles de bordure. Ceci, donc je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc après nos 8 mailles de bordure, nous tricotons 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Je prends mon aiguille auxiliaire, donc ça peut être n'importe quelle aiguille, ça n'a pas d'importance. Je vais glisser 5 mailles sur cette aiguille.
3, 4, 5 mailles que je place devant. Que je regarde bien, que je dise pas de bêtises. Regardez, je place devant. Après, regardez, je vais mettre ces deux mailles. Les mailles que j'ai placées sur mon aiguille auxiliaire, les 5 mailles, je les mets devant. Regardez, je les mets comme ceci. Regardez, je positionne mon aiguille avec laquelle je tricote est placée derrière et l'aiguille auxiliaire est placée devant. Et là, je vais tricoter, regardez, une maille sur mon aiguille auxiliaire et une maille sur mon aiguille de gauche. Et regardez, je les tricote comme ceci ensemble et je les retire. Je fais de même pour la deuxième maille. Regardez, je les tricote comme ceci et je tricote. Regardez, normalement, je fais passer et je fais, hop, je glisse et je enlève les deux mailles. Et je continue, regardez. Là, je prends la première maille. Je prends, regardez, la maille qui est sur mon aiguille qui est placée derrière et je tricote les deux. Donc j'en ai tricoté 3. Regardez, pareil, hop, et je tricote les deux ensemble. Et la dernière, une maille plus la deuxième. Regardez comment je fais. Je prends une maille ici, la maille qui est sur mon aiguille de derrière. Et je les tricote ensemble. Et j'ai fait, regarde, un pli. Comme ceci. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais placer 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur mon aiguille auxiliaire. Et cette fois-ci, regardez, je la place derrière. Je la place derrière. Je la place derrière. Et je fais pareil. Et cette fois-ci, j'ai mon aiguille avec laquelle, regardez, je tricote qui est devant. Et mon aiguille auxiliaire est derrière. Et je fais exactement la même chose. Je prends une maille sur chaque aiguille et je tricote et je retire. Alors faites attention de ne pas faire tomber vos mailles. J'ai une aiguille qui est assez grande, donc c'est un peu difficile. Deuxième. L'idéal, c'est de bien mettre les pointes comme ceci de votre aiguille. Les deux pointes, comme ceci, regardez. Qu'elles soient comme ça, c'est plus facile pour nous. Troisième. Quatrième, regardez, là, hop, je prends une maille sur chaque aiguille et je les tricote ensemble. Et je tricote la dernière. Donc, ma dernière maille, ici, et ma dernière maille sur mon aiguille auxiliaire et je tricote les deux. Alors, faites attention de ne pas perdre des mailles. Alors, c'est pas difficile, c'est même très très simple. Voilà, nous avons fait, regardez, notre première pli, comme ceci, ou notre pince, comme vous voulez. Et maintenant, je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous allons répéter la même chose. Donc, je place 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur mon aiguille que je place devant. Et maintenant, je vais les tricoter 2 par 2. Donc, une maille sur chaque aiguille, je prends et je tricote ensemble. Je prends une maille ici,
une maille derrière et je tricote ensemble. Alors vous allez avoir tendance à votre aiguille qui va glisser un petit peu, la remettre bien sur place. Et on continue, une maille ici, une maille ici. Et je tricote les deux ensemble. Une maille ici, une maille ici, et je tricote les deux ensemble. Je prends une maille sur mon aiguille auxiliaire et une maille derrière et je tricote les deux mailles ensemble. Alors, comme je suis placée sur une chaise devant une table, c'est pas pratique. Mais vous, sur votre canapé, vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ça. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5 que je viens placer derrière. Et là, je fais la même chose. Regardez, j'essaye de bien... C'est plus facile si on arrive à mettre nos aiguilles, les deux pointes au même niveau. C'est plus facile, comme ceci, de prendre nos mailles. Donc, une maille dans la première aiguille, une maille, pardon, dans la deuxième, et je tricote les deux. Une maille dans la première, une maille dans la deuxième, et je tricote les deux. Une maille dans la première, une maille dans la deuxième aiguille, et je tricote les deux. Donc, j'en suis à mon troisième. Une maille dans la première aiguille, une maille dans la deuxième, et je tricote les deux. Il me reste donc voilà, j'ai tricoté donc mes 5 mailles 2 par 2, et maintenant nous allons tricoter de nouveau 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vérifie si j'ai bien compté mes 10 mailles. Ok. Alors les tricopines, on recommence. Je prends mon aiguille, je place 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je place mon aiguille auxiliaire comme ceci devant, face à moi, et je tricote une maille sur mon aiguille de devant et une maille sur mon aiguille de derrière que je tricote ensemble, et je les retire, une maille sur mon aiguille de devant, une maille sur mon aiguille de derrière, et je tricote ensemble, et je fais ceci 5 fois. Donc 3, 4. N'hésitez pas à bien serrer ces deux aiguilles pour que ça ne bouge pas. Et 5. Et maintenant, je replace 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Que je place derrière cette fois-ci, et j'ai mon aiguille avec laquelle je tricote qui est face à moi et mon aiguille auxiliaire qui est derrière, et je fais exactement la même chose. Je prends une maille sur mon aiguille de devant et une maille sur mon aiguille de derrière, et je tricote les deux ensemble. Donc par la même occasion, ça nous fait des diminutions, et comme ceci, 2, 2, 3, 4 et 5. Nous avons terminé pour ce qui est de nos plis ou de nos pinces. Nous en avons 3, les tricopines. Donc ces 3 pinces correspondent au devant de notre robe. Et quand nous allons la plier comme ceci, regardez, ça c'est la partie derrière de notre petite robe, comme ceci. Donc maintenant, nous allons continuer à tricoter
nos mailles jusqu'à la fin du rang à l'endroit. Donc, on tricote nos mailles jusqu'à la fin. À l'endroit. Et alors, je vous avais dit qu'on allait certainement avoir 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Donc nous allons avoir 1, 2, 3, 4. Et une fois que nous aurons tricoté, terminé de tricoter, nous allons faire une dernière boutonnière. Je vais vous dire. Alors, vous continuez ce rang où nous avons fait nos pinces, nos plis. Une fois que nous avons terminé, nous allons continuer nos mailles, à tricoter nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire tout à l'endroit, sauf nos mailles de bordure, que nous tricotons en côte 1-1. Donc, une fois que vous avez tricoté sous votre rang, vous allez tricoter encore 1, 2, 3, vous allez tricoter encore 4 rangs. Donc, vous allez tricoter encore 4 rangs et on va former une dernière boutonnière. Nous en aurons 5 en tout. Et après, nous allons tricoter encore 2 rangs et on va se retrouver pour faire nos emmanchures. Alors, je répète, une fois que vous avez terminé votre rang où nous avons fait les plis, vous allez continuer à tricoter encore 1, 2, 3, 4 rangs. Donc, 4 rangs, ça nous fait un aller-retour, 2 aller-retour, donc 4 rangs. Au cinquième rang, une fois que nous sommes sur l'endroit ou sur l'envers, comme vous voulez, on commence à former notre cinquième boutonnière. Une fois que vous avez fait votre cinquième boutonnière, vous allez tricoter un rang à l'envers, un rang à l'endroit et on va se retrouver dans la deuxième partie pour faire les emmanchures. Voilà les tricopines. Donc, j'espère que c'est assez clair. Vous tricotez encore 4 rangs. On fait une boutonnière, on tricote encore 2 rangs et on se retrouve dans la deuxième partie pour les emmanchures.